know I will love you better. There's no time to be wasting, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je ne l'ai. Choisis, c'est le choisir. Baby, laissez-les parler. Allons là, la vie m'a dit. Parce que c'est toi, mon goût. C'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai tout. C'est toi. Baby, c'est toi, mon goût. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Surprise pour les beaux ailleurs d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, j'aurai une surprise après mon traitement. On va voir. Ouais, José Diallo, bonjour. Ouais, le traitement avance, mais je vous invite à aller contribuer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Il faut aller contribuer seulement. Ah, tu es occupé, ma soeur Jeanne et Poupa. Ok, vas-y alors, ma soeur chérie. Ouais, Gauthier, on est debout, mon frère. La vie est un combat. Tu abandonnes, tu es mort. Qui va venir te sauver? Voilà, tu n'es plus un gamin, tu n'es plus. Tu n'es plus mineur. Quand tu es mineur, voilà, tu peux dévier tous tes problèmes à tes parents, chez tes parents. Tu peux te plaindre que pourquoi tes parents sont pauvres, mais tu es là, la force. Donc voilà, tu as le droit et le devoir de te battre, quoi. Pat Joe, oui, salut, la famille. Donc voilà, nous allons faire un live. Je veux que vous partagez ça tellement. Voilà, je veux aussi m'adresser au grand frère Fernand Lopez. Je vais aussi parler. On acclame juste la victoire de notre frère, mais on ne connaît pas le message qui est derrière. Voilà Cédine Doumbé qui... Cédine Doumbé règle ses comptes. C'est pas normal. Cédine Doumbé règle ses comptes. Oui, bien sûr, je suis un beau garçon. C'est l'Afrique qui nous rend moche. Est-ce que tu as vu un Africain qui est là? Hein, Emmanuel Kemoué. Hein, ma soeur chérie. Est-ce que tu as vu un... Un Africain qui est là. Non. Nous sommes beaux. C'est l'espace là. Chez nous là-bas. C'est ça qui nous rend moche. On est dans la pauvreté. Et puis, d'autres abandonnent tout. Donc voilà. Je vous demande de partager, s'il vous plaît. Partagez le live. Ça, c'est très important ce que je vais dire là. Voilà. Partagez le live. On commence par quoi? On commence par Diane Nama et son mari, Monsieur Choufo. Ou bien. On commence par Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Parce que le message qui est derrière, c'est très dangereux. Voilà. Donc, on commence par les tribalistes d'abord. On commence par les tribalistes. Où sont les tribalistes? Où sont les tribalistes? Il ne faut pas céder à ça, les gars. Ne cédons pas à ça. Ok, on commence par Diane Nama. Voilà. Mais chef, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Voilà, attendez. Le gars pouvait dire que non, ça ne va pas bien. Voilà, j'arrête de vivre. J'aime la fille ici, mais je n'aime pas l'épouser parce que au pays, ça ne va pas bien.
il y a la division, il y a ceci, cela. Elle aussi, elle pouvait dire que, dis donc, moi, ça ne va pas. Comment elle va l'épouser un Bamileke alors que entre nous, il y a la guerre. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là. Je me souviens tout récemment, il y a un gars qui a failli vendre son terrain parce que son terrain était à San Menima. Il m'appelle, me dit, Banga Diaspora, mais ce qui se passe là, c'est comment? Faites attention. Il y a des choses qui ne peuvent plus jamais exister. Ne confondez pas quelques 10 personnes, 100 personnes qui se lèvent pour aller faire les petits désordres. Vous identifiez cela au tribalisme. Oui, le tribalisme existe. Le tribalisme existe, oui. Mais c'est nourri au sommet de l'État. Tu vois un peu, non? Donc je vais un peu zapper le commentaire pour ne pas voir les commentaires, voilà. C'est-à-dire que c'est entretenu par le système, par le régime. Mais n'empêche pas de vivre parce que dans ta famille, on interdit qu'on épouse tel. L'aile est passée, l'aile est dépassée. Voilà une fille qui s'engage à faire sa vie. Pendant que vous êtes là, vous vous tuez. Pendant que tu réfléchis comment esquiver tel. Là, voilà qui part entrer dans la maison que chaque jour, ses frères insultent ici, là. Ses frères dénigrent ici, là. Voilà un gars, pendant que ses frères parfois méprisent, insultent la tribu de sa femme, lui, il a qu'à engager que moi, je m'avance. Je connais quelqu'un qui a vendu la maison. Parce que sa maison, là, est dans un quartier où il n'y a que les gens qui ont affaire à sa tribu dans les réseaux sociaux. La vie ne se limite pas aux réseaux sociaux. La vie ne se limite pas aux réseaux sociaux. Et il pouvait dire qu'il ne se marie pas. Voilà une Yaoundé avec un Bamileke qui sont mariés. Donc l'amour n'a pas de frontières. L'amour ne connaît pas ça. On parle de son cas parce que elle est connue. Elle est comédienne. Donc ça existe chaque jour. Ça existe chaque jour. Quand on vous dit que le tribalisme, que les gens parlent, là, c'est les histoires. Oui. C'est un truc que le système a mis sur pied pour vouloir fragiliser ceux-là qui regardent trop la place là qui a étudié. C'est tout. Mais à part ça, il n'y a rien. Attendez. Laurent Esso, sa fille a épousé un gars de Mbanga. Un monsieur qui est milliardaire, que je n'ai pas envie d'appeler le nom ici. Je parle de Laurent Esso parce qu'il est ministre de la République. Sa fille. Quoi? Oui, sa fille a épousé un gars de Mbanga. Un petit-fils de Mbanga que je connais bien. Laurent Esso. Mais oui. Donc quand vous parlez des histoires de tribalisme, là, moi je ris souvent. Je ris, mais est-ce que toutes les familles sont mélangées? Le petit frère de Laurent Esso, sa femme est Bamileke. Il est déjà mort, paix à son âme. À l'époque, là où j'ai construit ma maison, là, c'est à elle qui devait acheter au terrain. À la petite soeur de Laurent Esso. Le petit frère de Laurent Esso, sa femme. Il a épousé une femme. Le fils qui devait vendre le terrain, lui aussi s'appelle Esso, avec le nom Kameni à côté. Donc il y a des choses que quand vous faites là, les gens vous regardent. Les concernés même, vous regardent et rient. Parce que nous, on tombe dans le piège. On va arrêter de vivre parce que non, je n'esquive rien. Moi, qui parle à certains, quelqu'un m'a dit, il faut essayer, mais pourquoi tu n'as pas épousé une fille d'ailleurs? Mon frère, depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais eu la chance de vivre avec une fille de l'Ouest. Depuis que moi, je suis né, je n'ai jamais flirté avec une fille de l'Ouest. Je n'ai jamais eu la chance là. Je ne sais pas si c'est ma chance, je ne sais pas si c'est ma chance. Mais depuis l'enfance, je n'ai jamais connu une fille de l'Ouest. Peut-être un jour ça va venir, mais je n'ai pas encore eu la chance. Ou bien la malchance de connaître une fille de l'Ouest. Nous qui sommes nés en Banga, dans le Mungo, on ne connaît pas ce qui veut dire tribalisme. Non, oui. Nous qui sommes nés dans le Mungo, parce que ceux qui sont nés à Douala, Yaoundé, parfois ils se refaient, parfois ils vont trop à l'Ouest. Mais nous qui sommes nés dans le Mungo, nous on nous enterre là-bas. Mon grand-père, lui, on l'enterre en Banga. Ma grand-mère, on l'enterre en Banga. Mon père, on a enterré en Banga. Donc, on est tellement mélangé que. Donc, voilà, quand je vois les gens sur la toile faire les choses, moi, hérissement. Quand les gens viennent dire là que je suis un Bassa, tu es un Bassa, tu es Mombo. Mombo, c'est un Djinn Bassa. Mombo, monsieur Ntat, l'homme qui a épousé ma petite soeur, c'est un Bassa.
Est-ce qu'il peut s'identifier aux gens des réseaux sociaux qui sont et dit que non, nous sommes les bassins. Mon ami, tu ne peux pas d'abord lui dire bonjour. Toi, lui dis bonjour comment? Il va qu'à ses occupations. Va les vrais bassins, les vrais bassins dignes. Un bassin n'est pas sur la toile, il fait les directs de 7 heures de temps. Tu vois tout un costaud monsieur, il est là, joufflu, un homme plus de 50 ans. Il reste debout. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, tu trouves un gars en train de faire le live 7 heures de temps. Les gens sont là, attendez, mais un homme qui a la femme, mais tu sens que ça c'est une femme qui est menacée. Ça c'est une femme qui souffre dans son foyer. Parce qu'une vraie femme ne peut pas accepter que son mari fasse même 3 heures de temps de live. Non, je n'ai jamais fait 3 heures de temps de live. Même 2 heures, je n'ai jamais fait. Mais que, je veux parler quoi là? Quand c'est trop, ça devient laid. C'est-à-dire 7 heures de temps. Ça veut dire que quand pas à Paris, alors que quand pas il décolle, il voyage, il arrive à Paris, il arrive chez lui. Toi, tu es encore là. Mais attendez, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Donc ça veut dire que quand il se lève le matin, il prend sa voiture, il part à Yaoundé. Jusqu'il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Après, il rentre chez lui. 7 heures de temps, un gars fait. Non, le bassin n'est pas les gens comme les autres là qui avaient ouvert la ferme. Là, il dit que je suis un... n'est pas le bassin. Ma petite s'est épousée un bassin. C'est un travailleur, c'est un homme digne. Il a honte, il se respecte. Il se comporte comme un Oumyobé. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Mais oui. Donc faites attention. Ne jouez pas à ce jeu-là. C'est la forme de commerce en fait. C'est la forme de commerce, les tribalistes là. Voilà Diane Nama qui se marie et dorénavant s'appelle Madame Toufo. Et vous connaissez, ça chauffe, non? Voilà. Voilà un exemple. Comme Banga Diaspora, j'ai épousé une Sawa du littoral. Oui, comme certains disent que non, Banga Diaspora, pourquoi tu vas épouser ta soeur? Mon frère, tu me connais où? Tu me connais où? Tous mes soeurs n'ont qu'épousé les gens du littoral. D'abord, je suis né et grandi dans le littoral. Donc, naturellement, nous, on ne connaît pas ce qui veut dire le tribalisme chez nous. Un gars comme moi, on ne connaît pas ça. Nous, on est né et grandi dans le Mungo. Donc, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on a grandi dans les pays, dans les villes cosmopolites. Alors que les grandes villes, Douala, Yaoundé, tu vas aller, tu vas voir un groupe de personnes. C'est la même tribu. Ils sont regroupés, même tribu. Mais les villes comme Banga, Nkonsamba, Lou, Manjo, Souza. C'est les villes mélangées. Tout est mélangé. Et après ça, on s'est mélangé. Donc je vais penser mal d'un Sawa. Je vais faire comment? Je vais faire comment de mes enfants? Je vais faire comment de mes enfants? C'est comme Charlotte Dipanda là. C'est la cousine directe à ma femme. Charlotte Dipanda. C'est la cousine directe à ma femme. Ça veut dire que le commissaire là, le monsieur que vous avez vu quand Lopez est parti doter Charlotte Dipanda là, le monsieur qui est là. C'est le frère direct. C'est-à-dire c'est le frère direct à mon beau-père. C'est un commissaire de police retraité. Donc on a dit, que je vais venir détester la tribu. Mon ami, est-ce que quand il y a le mignon là, est-ce qu'on connaît ça? Est-ce que le Ndolo doit connaître? Si un homme pense à ça, que tu sois de n'importe quelle tribu, si tu penses au tribalisme, tu ne t'en vaut pas la peine, tu es un sorcier. J'ai vu quelqu'un vouloir dire là que, ou quelqu'un veut justifier. L'autre, Hong Lang est un tribaliste. Hong Lang doit demander les excuses. Donc, on vous voit seulement là. Parce que vous avez envoyé une lettre. Une lettre d'indiscipline. Vous avez traité l'autre d'être indiscipliné. Parce que si Samuel Eto'o ne marque pas le point sur ça, on va comprendre qu'il y a le faux dans l'équipe nationale. Nous, on continue à attendre les excuses de Hong Lang. Et c'est Onglan ou c'est Martin Onglan là. Il ne doit pas narguer le peuple. On doit dire non à ce genre de comportement là. On doit dire non à ce genre de comportement. C'est irresponsable. Quand tu as une personnalité publique, tu portes le vert ou jaune. Tous ceux qui parlent là ne sont rien. Moi, je suis rien. Je ne suis pas dans l'équipe nationale. Dès lors que tu as un sélectionné de l'équipe nationale, tu as porté le vert ou jaune. Que ce soit en privé, que ce soit en public, tu as le droit et le devoir de bien te comporter. Doit arrêter ça là, vous. J'ai vu quelqu'un qui a parlé là que celui qui va essayer de parler de Hong Lang. Je ne te vois même pas. Je ne te vois même pas. Parce que c'est vous qui faites les bruits là. Mais vous, un moins de l'heure, vous avez fui, vous êtes parti. Nous, on vit au Cameroun. Et on attend ce qui peut arriver. Hong Lang doit demander les excuses. Parce que c'est un acte tribal. Voilà. Même en répondant. Ça, ou rien que même au stade, vous voyez les footballeurs, les professionnels ferment la bouche. Parce que ça coûtait cher aux gens. Parce que les experts veulent lire ce que tu es en train de dire.
Tu ne peux pas te lever un matin, un personnage public est censé donner la leçon de vie aux gens, être un exemple. Tu prononces dans ma famille, on n'épouse pas tel. Mais toi, tu es qui? Les pères fondateurs, là, ils se reconnaissent. Est-ce qu'il y avait une différence? Hein? Félix Moumia a commencé. Après, on a connu les Oumiobé. Après, c'est les Hernan Wandier. Où était la tribu là-bas? On a un semblant de liberté aujourd'hui à cause de nos héros qui ont combattu pour que nous soyons unis. Toi, footballeur de l'équipe nationale, tu viens sortir les choses barrées dans ta bouche. Parce qu'on dit que non, il ne faut pas parler, tout et tout. Non, on va que parler de lui là. Et connais que si tu ne vas pas les excuses, tu te comportes mal. Martin Camus, c'est un exemple. Reste là, tu nagues les gens. L'esprit du Cameroun va t'envahir. Et quand tu seras en train de pleurer, toi seul dans ton lit là, ceux-là ne seront pas là. Ceux-là aujourd'hui qui veulent prendre ton parti pris, vouloir faire semblant de te soutenir, alors qu'ils t'enfoncent. Jeune frère, tu as encore tout ton temps de demander les excuses. Martin Onglan. Voilà. Tu n'es pas une personne lambda. Tu es une personnalité. You are the personal personality. Fais attention. Et quand tu es une personnalité, méfie-toi. Méfie-toi de ta personne. Parce que le pire peut t'arriver facilement. C'est-à-dire que tu es sous les étoiles. C'est spirituel. Et les petites personnes ne peuvent rien comprendre. Ils vont faire les bruits pour vouloir annuler. Non, on n'oublie pas. On sait que Martin Onglan a stigmatisé une tribu. Il a dit que dans sa famille, on n'épouse pas tel. Je suis sûr que dans ta famille, il y a un enfant que tu as fait. Et connais qu'en tant que personnalité, parfois tu fais des choses, tu penses que l'ennemi est loin. Ton ennemi est à côté de toi. Moi, j'ai les neveux qui s'appellent les Bongé, les Yambé, les Cancan Chose. J'ai ma petite belle-fille, ma petite nièce qui s'appelle Tac. Tout mélanger tout. Je peux m'asseoir un matin, je commence à parler certaines choses. Faites attention. Et on se prend la tête. Oh non, il ne faut rien dire. Regardez, voilà un exemple. Toi, tu es quoi? Parce que tu es footballeur, la petite voix te prend la tête. On sent un gars qui part peut-être chez les marabouts. Au lieu de remercier le Seigneur. Parce que quelqu'un qui a la foi ne peut pas dire certaines choses. Et quand il commet l'erreur, il se ressaisit, il demande les excuses. Parce que quand quelqu'un a la gloire qui vient de Dieu, là, il ne sort pas n'importe quoi dans sa bouche. Quand ta gloire vient de Dieu, tu te méfies, tu deviens un homme sensible. Tu ne dis pas n'importe quoi. Parce que quand tu joues au ballon, là, tu joues au foot, tu joues pour tous les Camerounais. Et on ne saurait accepter ce genre d'ineptie qui sort de la bouche d'un professionnel. Hein? D'un serviteur de la République. Tu es un serviteur de la République. Parfois, on te paye comme ça. C'est l'argent de tous les Camerounais. Y compris ceux que tu dis qu'on n'épouse pas dans ta famille. En réalité, en tant que footballeur, tu as déjà épousé tout le Cameroun. Tu es l'enfant de tous les Camerounais, y compris ceux. Donc, un homme comme toi, ta vie ne se limite plus seulement au mariage. Au mariage pour une vie conjugale, non. Ta vie est élargie. Tu appartiens au peuple camerounais. Tu es une propriété du Cameroun. Et tous les Camerounais sont tes parents, sont tes enfants. Et tu ne saurais tenir ce genre de langage en public. Et tu penses qu'on va fermer la bouche. Je te prends pour qui? Je te prends pour qui? Toi, tu es qui? Donc, tu as encore le temps. Voilà. Tu as encore le temps de demander les excuses. Voilà. Sinon, il y a la colère de Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est éphémère, c'est les histoires. L'homme va parler tout ce qu'il va parler là, mais ce qui est sorti de ta bouche et qu'on a retrouvé en public là, mon ami, tu vas rendre compte même devant Dieu. Laissons le temps son temps. Le temps va venir. Laissons le temps son temps. Voilà. Voilà. On avait déjà fabriqué le coup. On avait déjà presque fini avec Onana, non? Dans l'équipe nationale. Non? Regardez comment la colère de Dieu. On a vu ce qu'il a battu comme travail. Donc restez là où jouez au dangereux. Que wow, je ne demande pas les excuses. Non, tes frères vont t'appeler. Non, tu demandes les excuses. C'est telle tribu qui est derrière toi. Mais il y a les gens calmes qui ne parlent pas. Mais oui. Donc tu penses que tu n'as pas peut-être offensé Jérémy Dita. Ou bien peut-être ça n'a pas touché Choupo-Moting. Faites attention. Voilà. Faites attention. Personne. On ne te demande pas. Dis tes choses en privé. Ça existe dans les familles. Oui, on n'épouse pas. Mais pas en public. Dès lors que tu es un personnage public, tu as des restrictions. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu as le droit et le devoir de garder le silence. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Là, on ne perd pas le temps. Voilà. Comme là, il y a des gens qui m'écrivent parfois. Il y a des gens qui parfois qui m'achètent mes produits. Banga, envoie-moi les voice. Je n'envoie pas le voice.
Parce que tu parles de transformer mon voice à autre chose. Donc je n'envoie pas le voice. C'est clair. Je me méfie. Oui, parce que tu peux prendre ça pour aller fabriquer quelque chose avec. Donc je t'écris. C'est tout. Donc voilà. Donc arrêtez les histoires là. Ah, mon frère, fais comme tu vas faire, ça te regarde. Mais le temps viendra, chacun va rendre compte. Voilà. 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 Le temps va venir, tu vas rendre compte. Voilà. Beaucoup ont parlé comme vous là. Et le moment est venu, ils ont rendu compte. Continue à jouer au dangereux. Martin Camus aujourd'hui n'est pas pris chaque jour. Il est devenu un pasteur, non? C'est la même chose quand il s'était comporté mal. On a dit que mon ami, calme-toi. Voilà. Après, il a sorti le son. Le chien aboie à la caravane. C'est la vérité. Mon ami, qui aboie. Après ça, pom! C'était la descente aux enfers. C'est le chien qui aboie. La caravane passe au... vers la suite. C'est lui qui est parti en prison. C'est lui qui s'est humilié. C'est lui qui a pleuré. C'est clair. Donc voilà, on ne dit pas certaines choses quand tu es un personnage public. Vous allez beau dire là, ça vous regarde. Voilà le Cameroun qui va mal, il n'y a pas de route. Quand on parle, ça teste vous les mêmes. Non, vous salissez le pays. Mais les poubelles sont partout au Cameroun. Les poubelles sont... Vous arrêtez les gens, vous torturez tout et tout. Mon ami, ah, ça te regarde mon frère. Je n'ai pas besoin de lire tes commentaires. Ok? Je m'en fous. Attends, chacun aime sa tribu. Mais ça ne te permet pas de stigmatiser une tribu. Ça ne te permet pas en tant que personnage public de dire certaines choses en public. C'est clair. C'est un fait. On ne discute pas là-dessus. Il est joueur de la République, de l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, c'est un symbole d'unité nationale. C'est le symbole de l'unité nationale. Tu ne peux pas servir la République en tant que footballeur. En tant que footballeur, tu sors les inepties paraître de ta bouche. Jamais de la vie. C'est inacceptable. Tu es un serviteur de la République. Donc, dans ton argent qu'on vous paye là, le verre rouge appartient à tous les Camerounais. Tu ne saurais dire ça en public. C'est pourquoi, quand tu deviens une personnalité, même ce que tu dis en privé, méfie-toi que ça se retrouve en public. Sois-en sûr. Rassure-toi que ce que je suis en train de dire là, on n'est pas en train de me filmer. C'est de ça. C'est pourquoi que les hommes publics souffrent. Les personnages publics souffrent. Voilà pourquoi Dieu vous a donné les moyens. Tu dois te rassurer. Je connais des gens que tu arrives chez lui. Mon frère, on te fouille. Je connais des gens que tu arrives chez lui. On te fouille. On te fouille. Tu n'entres pas. On veille à ce que tu n'as pas quelque chose chez toi qui va enregistrer ce que tu vas dire. C'est comme ça. C'est clair. Parce que tu sais la République. Bon, on est en train de parler là. Je prends un exemple. On a passé le temps à dire que Laurent est sous. Laurent est sous. Laurent est sous dans tel dossier. Laurent, vous écoutez sa voix. Parce qu'il est préparé pour ça. Il ne suffit pas seulement de dire que je vais devenir grand. Mais il faut aussi avoir les comportements d'un grand. Regardez bien les enregistrements là. Vous avez écouté la voix de Laurent Esso. C'est sans dire un homme d'État. Il est méfiant. Oui. Affirmatif. Oui. Non. Oui. Non. Ça se prépare. On ne devient pas grand parce qu'il faut être grand. Non. On ne devient pas grand pour boire vomi dans la rue. Quand on devient grand là, mon ami, tu as des restrictions pour toi-même, pour ta propre vie. Pour ton image. Et pour l'image de ce que tu représentes. C'est clair. Et comme tout à l'heure, je vais parler maintenant de Cédine Doumbé. Parce qu'il faut partager le live. Parce que là, je veux parler beaucoup de choses. Parce que les gens sont là, ils acclament. Ils acclament la victoire de Cédine Doumbé. Oui, on acclame. Oui, on acclame. Mais c'est au compte de qui? C'est au compte de la France. C'est au compte de la France. Mais il est passé par qui? Donc ça veut dire que le frère, comme je veux dire, le frère Lopez, Fernand Lopez, il a l'onction de la victoire. Il a cette grâce que quand il tient quelqu'un, quand quelqu'un passe par lui, il devient champion du monde. Et pour cela, on doit honorer ce monsieur, ce grand homme. On doit honorer Lopez. Il ne mérite pas ce que l'autre est en train de faire là. Vous acclamez seulement. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Voilà comme ça là. Le comportement français qui sort déjà en Syrie, en Cédric Doumbé. Parce que je vais vous dire quelque chose. Peut-être c'est empressé pour vouloir faire ça en croyant qu'il va camoufler les sorties de Fernand Lopez. Il y a de cela peut-être un an passé. Il y a de cela un an passé. Fernand Lopez dit qu'il a présenté sa compagne, sa femme,
à Cédine Doumbé comme une nutritionniste. Qu'occupe-toi de mon petit cela. Occupe-toi de mon combattant cela. Le gars a pris l'anga. Comme a dit le grand frère Fernand Lopez, il a chicoté, il a tout ma. Il a tout ma. Voilà, tu prends l'anga de ton grand qui t'a tendu la main, qui t'a formé. Tu es passé par lui. Quoi que tu fasses, tu vas beau parler. Tu es passé par lui. Tu aurais dû te comporter comme Francine Ngannou. Mais oui, quand tu regardes, il y a froid entre les deux. Fernand Lopez et Francine Ngannou. Mais Francine Ngannou reste Camerounais, typiquement Camerounais. Il garde le silence. Mais quand il passe, tu sens qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il ne vient pas vociférer là. C'est un amuseur, ce monsieur-là. Et il est dangereux. Parce que là, ce qu'il est en train de faire comme ça, là, je suis que bientôt, Fernand Lopez va commencer à éviter les Camerounais. Parce qu'il n'a pas la chance avec les Camerounais. Il n'a pas la chance. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Comment tu peux, les gens peuvent passer par toi et par la suite. Voilà ce qu'on l'offre comme cadeau. Voilà comment on en est frustré, un gars. Bientôt, il va fermer ses portes. D'abord, quand tu regardes, c'est sûr qu'il n'a même plus trop de sentiments avec les Camerounais, mais il a des sentiments avec les Africains. Maintenant, Fernand Lopez préfère même un Gabonais qu'un Camerounais. À la Lucie, là. À la Lucie, Fernand Lopez préfère un entier qu'un Camerounais. Parce qu'il se rend compte que, avec le travail qu'il a bas, il ouvre la porte aux Camerounais. Tu sors du désert, tu ouvres la porte. Il ouvre la porte, chacun entre chez lui. Mais par la suite, regardez comment on lui dit merci. Ça, c'est le typiquement Camerounais. Maintenant, le typiquement français, c'est ce que Cédric Doumbé a fait. L'homme qui battait sa femme. Mais qui sait si tu veux camoufler quelque chose? Parce que tu as la victoire. Tu as Mondovision. Tu déclares que quelqu'un battait sa femme. La femme dont il a dit hier, cela quelque temps. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Je ne crois pas à cette histoire. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un sabotage. Tu prends la femme de quelqu'un, tu tournes. Et maintenant, comme tu as gagné, comme tu veux régler tes comptes, tu viens l'accuser à Mondovision qui battait sa femme. Qu'il battait sa femme. Et aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, la femme là est à tes côtés. Donc, écoutez bien. Donc, juste faites attention à ces personnes qui ont souvent la gloire. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des anges. Faites attention des gens qui ont souvent la gloire. Parfois, on pense que parce que quelqu'un est célèbre, c'est un bon bagarreur, c'est un bon artiste, un bon comédien. Ils ont aussi des défauts. Ils ont des défauts. Que si tu rencontres, que si tu vois, tu as dit que donc c'est celui-là. C'est un peu comme une superstar. Une superstar. Une super superstar. Qui n'est plus de ce monde. Que j'ai connu. Si tu vois ce qu'il faisait, tu dois dire que donc c'est celui-là que le monde entier aime là. Donc faites attention. C'est parce que Cédine Doumbé a gagné. Que non, ses péchés sont pardonnés. Fais attention. Tu peux avoir les trophées là. C'est les trophées des hommes. Mais tout ce que je retiens, c'est que le grand frère Fernand Lopez est un grand homme. Ça veut dire que quoi? Les Camerounais passent entre ses mains et ils réussissent. Et ils deviennent les champions. Ils deviennent champions. Francine Ngannou est le champion du monde poids lourd. Poids lourd. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Le pays le plus puissant du monde. Entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà, Cédine Doumbé. Il est tout passé chez Fernand Lopez. Mais regardez ce que Fernand Lopez est en train de dire. Les déclarations pareilles. C'est pas bien. Et aujourd'hui, cette femme est à côté de toi. Et on t'accuse que tu as tout mal avec elle. Et c'est normal. Vous voyez le typiquement Camerounais, non? Moi, je pense que c'est le sabotage. Voilà. Voilà comment on veut détruire un homme. Voilà. Parce que les gens sont en train de se décrier. On est dans un monde où c'est sensible. Là, on ne blague pas. Hein? Du fait seulement que tu as dit comme ça, là. Et aujourd'hui, il a pris la femme mettre sous ses ailes. Donc, elle peut aller faire une fausse déclaration là-bas par jalousie. On sait ce que ça peut commencer. On sait ce que ça peut causer comme dégâts. Et maintenant, les autres Camerounais, on va les mettre où? On va les mettre où? Les autres Camerounais, on va les mettre où? Tu sens que le gars a de la haine pour Fernand Lopez. Ce n'est pas bien.
C'est Ndoumbé, arrête ta merde là. Il faut arrêter ta merde là. Voilà, parce qu'on t'accuse d'avoir tout mal à la femme de quelqu'un. Ça veut dire que l'autre, dont le grand frère Fernand Lopez, c'est un homme cocu. Vous prenez Sanga, tu prends Sanga, tu tout mal. Mais il t'accuse que tu as tout mal Sanga. Il faut d'abord nous dire. C'est son corps, oui, elle est libre. Mais c'était Sanga. Elle te présente, il te présente Sanga. Toi, tu prends, tu chicotes. Et c'est normal. Il faut faire attention, petit frère. Les gens que vous voyez briller parfois là sont souvent très vicieux. Hein. Ils sont souvent très vicieux. Hein. Même moi qui vous parle là. C'est pas facile de vivre avec moi. Hein. C'est trop compliqué. Hein. Oui, oui, oui. Je peux être bien avec toi dans la rue, mais quand tu entres dans ma maison, c'est trop compliqué, trop compliqué. Je ne fais pas les sales choses, mais je dis bien que c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est même quel moyen ça. Vous voulez fermer la route aux autres. C'est même quoi avec vous les Camerounais même. C'est quoi avec vous les Camerounais? Vous voulez quoi à la fin? Voilà un grand fait qui tend la main aux gens. Vous pensez qu'à vous seul parce que vous êtes champion. Vous pensez qu'à vous seul. Maintenant, il a fallu que tu deviennes champion maintenant pour maintenant sortir les inepties pareilles dans ta bouche. Hein? Il fallait que tu l'aies porté plein. Il fallait qu'elle parte porter plein. Hein? C'est pas bien, vous les Camerounais. Vous, à un moment de la vie, vous emmerdez même. Votre vie, ce n'est que de détruire les gens. Quand vous avez déjà réussi, voilà comment. Ça, c'est réussir et casser le pont. Ça, c'est réussir et casser le pont. Partagez le live, si c'est le Congo, ça, vous devez. Voilà un direct instructif. Ça, c'est réussir et casser le pont. Et que pour que demain, on aide plus les autres. Ça, c'est la sorcellerie. Les Camerounais, ça, c'est le typiquement Camerounais. Il y a des gens dans la vie qui font de certaines choses. Tu les caresses, tu les cajoles pour le bienfait, pour la salle qu'il a mis à votre service, que petit frère travaille. Et j'ai suivi sa déclaration une fois. Moi, c'est un grand que moi, je ne le gagne pas, moi. Mais avec ce que Cédric Douma a fait là, quand même, à un certain moment de la vie, à un certain sommet de la vie, si quelqu'un n'a pas violé, il n'a pas tué, il n'a pas fait certaines choses, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas à lui quand même. Ce n'est pas à lui. Oui, ce n'est pas à lui. Il y a des choses qu'on ne fait pas à certaines personnes. Il n'a pas violé. Il n'a pas tué. Mais nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Tu peux nous dire aussi si ta mère n'avait pas un show qui bastonnait sur elle. C'est parce que tu veux détruire une vie, tu veux détruire une carrière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on dit que le père de Cédine Doumbé est décédé depuis par accident. Le jour de sa naissance, son père est décédé le jour de sa naissance. Ça veut dire que ta mère a connu d'autres hommes. Tu peux nous dire aussi ce que ton père, ta mère a vécu avec son copain. Tu peux aussi nous dire ça. Il faut dire ça quand même. C'est parce que tu veux détruire quelqu'un. On a même vu aux États-Unis où pendant les élections, on a fermé la bouche de certaines femmes qui ne parlaient pas, laisser Donald Trump devenir président. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Aux États-Unis, on a fermé la bouche de certaines personnes, de certaines femmes, que laisser le titre là devenir président. Ce n'est pas le moment. Mais c'est quand tu es au sommet de ta gloire qu'il faut enterrer un frère. Il faut enterrer un frère. Ça, c'est ça pour finir même là. Je croyais que c'était l'amusement, mais alors que ce monsieur est sérieux, il veut détruire ce monsieur. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu as réussi. Maintenant, il faut casser la route aux autres. Ce n'est pas normal. N'oublie pas qu'il en a fabriqué des champions, des champions. C'est quand même quelqu'un qui a l'onction. De la gloire. C'est quand même qui a un bon fond. Quand je regarde, il a un bon fond. Il fait des champions. Francis Ngannou, même chose. Francis Ngannou est champion du monde. Mais Francis Ngannou, dans son comportement calme, sans qu'il respecte le grand, mais il préfère rester à distance. Voilà. Maintenant aussi, je vais finir, maintenant je vais m'adresser au grand frère Fernand Lopez. Partagez le live. Je vais maintenant m'adresser au grand frère Fernand Lopez. Attendez, mais gifler sa femme. Attends, gifler la femme. Moi, qui ne gifle pas sa femme? Il n'y a pas les femmes qui giflent les hommes. Il n'y a pas les femmes qui giflent les hommes. Au nom de l'amour, vous voyez seulement qu'il a giflé sa femme. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas sur le coup de la jalousie? Voilà, je voulais oublier ce détail-ci-là. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas sur le coup de la jalousie qu'il a giflé sa femme? Pourquoi? Parce que je confie ma femme à un petit frère. Que chérie, occupe-toi de ce garçon.
tu es nutritionniste, regarde un peu voir comment dorénavant il peut commencer à manger, qu'est-ce qu'il va manger, peut-être il a un combat à faire, hein? Peut-être un combat, après il se rend compte que, peut-être après il se rend compte que tu commences à coucher avec elle, mais c'est normal, ça veut dire que c'est toi qui l'as poussé à l'erreur, tu l'as poussé à l'erreur. Hein? Si tu n'assumes pas ton devoir conjugal et que ta femme parte ailleurs, mais tu vas l'en vouloir. Tu dois avec ta femme 2 ans, 3 ans, tu ne fais pas l'amour. Mais tu n'es pas dehors pour qu'on enlève un peu les toits d'araignée sur son truc. Tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher. Tu viens, le grand, et on connaît les Camerounais. C'est là que ça va taper le dos. Taper le dos. Les jeunes Camerounais là. Il y a les autres que non. Ils ne connaissent pas le bien que tu l'as fait. Il ne connaît pas la main tendue que tu l'as tendue. Le problème seulement, c'est que il faut qu'il tout matanga. Oui, c'est ça le Camerounais. Et certains Africains d'Afrique centrale. Donc tu vas tout lui donner là. Mais son problème, c'est qu'il doit tout matanga. Il doit tout faire pour séduire Tanga. Il oublie que non, il est jeune. Il y a des choses que quand un jeune est déjà jeune, il ne doit plus faire. Quand tu es déjà jeune, il y a des femmes, des grands frères qui ne peuvent pas regarder. Nous, on a fait l'aventure, on était jeune. Il y a des femmes qui nous ont souvent tenté, les femmes des grands frères. Parce que tu portes la malédiction quand tu sors la femme de tes grands frères. Quand tu couches avec la femme de tes grands frères. On va aussi coucher avec ta femme demain. Il faut éviter. On vous parle parce qu'on a vécu. C'est une petite gloire de maintenant. Regardons ta vie demain. C'est pourquoi on dit respecter les gens qui ont vécu. C'est toi qui, là, à peine tu as un enfant, tu veux challenger ton grand frère qui a 5. Attends le moment que tu vas grandir, tu vas comprendre que respecte ton grand frère là, qui a 5 enfants, qui a 6 enfants, qui a 7 enfants et qui est stable avec une femme depuis 20 ans. Respecte ça. Respecte ça. Que ton grand frère te confie chambre chez lui. Tu manges, tu bois, tu fais comme tu veux. Et demain, tu pars coucher avec sa femme. Tu n'as pas le droit. Même si elle se déshabille, tu refuses. C'est ça on dit la dignité. C'est ça on dit un enfant béni. La gloire, c'est la gloire des hommes, c'est rien. Il y a la gloire de Dieu. Non, il n'est même pas un quartier-zard. Il n'est pas un quartier-zard. Il est dangereux. Il est dangereux. Ce n'est pas un quartier-zard. Non. Fais attention. Moi, nous sommes les quartier-zards. Nous sommes les quartier-zards. Un vrai quartier-zard connaît le risque qu'il y a de sortir avec la femme de son grand frère. Un vrai quartier-zard. Un vrai quartier-zard, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a tout vu et qui a vu le retour de ça. Mais attendez. On connaît les grands frères qui nous accusaient pour rien quand nous étions encore les délinquants. Que non, c'est toi qui as volé. On a vu les femmes. On a vu les gens partir jusqu'à dans la famille, aller voir le beau-père. Que Mbana, ne laisse pas que ta fille épouse le gars là. On a vu les femmes. Ils sont morts avec 2 pieds coupés. Les gens qui venaient juger. Que comment tu laisses ta fille épouser un gars comme ça parce qu'il est sorti, mais c'est doux, mais c'est où. Ils sont morts sans rien. Le karma. Des gens qui viennent saboter ce qui est bien. Il faut faire attention. Ce n'est pas un quartier-zard. Un quartier-zard a la crainte de Dieu. Un quartier-zard, c'est quelqu'un qui a marché dans la nuit. Oui. Il peut passer à une autre chose. Tu tentes à sa vie. Son passé le rattrape. Il se lève et dit que mais le type, il pense même que quoi là. Et je vais faire un direct sur ça. Je vais faire un direct sur ça. Les petits frères qui tapent les grands frères dehors là. Tu vois, tu arrives dehors, tu rencontres ton grand frère du quartier. Qui t'ignorait quand il venait au Cameroun. Mais tu arrives parce qu'il a les problèmes avec son ami. On te pousse à aller boxer un vieux voyageur. Tu tombes dans le piège là. Je vais faire une vidéo sur ça dans la semaine. Il n'est pas un quartier-zard. Un quartier-zard, la crainte de Dieu. Un quartier-zard, c'est un bangando. C'est quelqu'un qui a tout fait. Il connaît les risques qui sont dedans. Voilà pourquoi moi, je m'attaque pas trop à la vie des gens sur Facebook. La personne, non. Je m'attaque à la malgouvernance. Parce que je connais. Plus tu as fait aux gens, plus ta vie est en danger. Et quand ça va venir, tu ne sauras pas où ça va venir. Voilà pourquoi je me focalise. Si le mal m'arrive un jour, comme mon mal que j'ai là, on sait que non. C'est les gens, les hommes de la sémine qui m'ont tapé. Terminé. Donc Cédric Doumbé doit changer. Parce que Cédric Doumbé, la manière qu'il fait là, ne soyez pas surpris demain quand on vous dit que, comme il a eu l'argent là, on part amadouer la femme là, on la pousse à aller porter plainte. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire là. Ne soyez pas surpris que vous compreniez que les associations ont pris l'affaire en main. Ne soyez pas surpris. Quand on va vous dire demain qu'une association comme ça, quelconque,
ont pris l'affaire en main pour poursuivre Lopez en justice. Ne soyez pas surpris. Tout ça à cause de qui? Les enfants d'un même pays. Parce que l'autre ne veut pas fermer sa gueule. L'autre ne veut pas fermer sa gueule. Il ne veut pas fermer sa gueule. Quand même, vous êtes deux enfants d'un même pays. D'abord, c'est même pas un Camerounais, celui-là. Il ne se comprend pas comme un Camerounais. Il n'est pas gentleman. Il est un Français. Alors, le comportement qu'il a là, c'est un Français. Que oh, j'ai vu comment il giflait. Mais si l'autre a accepté, tu sais pourquoi il a giflé sa femme. Hein? Toi-même là, même sur le coup de la douleur, vous connaissez les hommes qui coupent. Vous connaissez combien de femmes coupent le pénis de leur gars? Combien de femmes coupent le pénis de leur gars? Par jalousie. Parce que le gars a compris. Parce que la fille a compris que son mari sort avec sa cousine ou bien sa meilleure amie. Vous savez ce qui veut dire confier ta femme à un petit frère, à un bon petit, qui s'entraîne dans ta salle. Il a fait 4 ans avec toi. Il finit par chicoter. Hein? Il finit par chicoter. Qui a poussé l'autre à l'erreur? Donc on a dit, tu pousses quelqu'un à l'erreur et puis il commet la faute. Mais il faut aussi t'en vouloir. Il faut que nous changeons de caractère. Arrêtez ça. Moi, je ne vois pas le monde comme ça. Là. Voilà. Moi, je ne vois pas le monde comme ça. Là. Voilà. Mais bien sûr, c'est des carottes. Tu dis que tu veux les produits. Il faut aller contribuer. Hein. Moi, je suis malade. Je suis à Jakarta. Je suis venu soigner mon pied. Voilà, je suis venu soigner mon pied. Donc, mon pied que vous connaissez là, donc il faut contribuer. Voilà le numéro orange, mon équipe là. Le 696-94-32-42. Il y a le numéro MTN, mon équipe, le 683-40-97-55. Donc, je vous demande de contribuer. Allez contribuer. Il y a le lien PayPal qui est là. Voilà, soignez votre frère. C'est pour le combat qu'on m'a tapé comme ça là. Donc, je vous demande d'aller contribuer. Voilà. Donc, je vais citer quelques noms, ceux qui ont participé. On a la sœur Désirée Edimo. Voilà, toujours présente. On a où est mon pied, non? Là, mon pied. Regardez mon pied, vous. Regardez mon pied. Regardez ce que les hommes m'ont fait. Regardez ce que les hommes de banque m'ont fait. Les hommes du colonel Tabala. Regardez mon pied. Regardez-vous-même mon pied. Regardez. Ça, c'est aggravé. Regardez mon pied. Voilà. Il faut aller contribuer seulement. Contribuer. Voilà. Donc, j'ai eu les séquelles. Les nerfs ont été touchés. Mon bas de pied s'est calciné. Donc, voilà. Donc, comme je disais tantôt, on a le frère La Menace. On a le frère Romuald. On a la soeur Olive. On a la soeur Désirée et Dimo. On a le frère Elessa. On a le frère William Mokap. On a le frère Charlie. On a le frère Alain Kamga. On a le frère Jires. On a la sœur Nelly, Mani Nelly des États-Unis. On a la sœur, on a le sœur, le frère Malin, voilà. Donc voilà, il faut combattre, que le Cameroun change. Il faut risquer la vie, c'est comme ça. Et notre pays va changer. Ne pas voir ceux qui étaient en prison qui sont sortis. Voilà, c'est comme ça. J'ai deux mois de traitement. Voilà, j'ai 2 mois de traitement. Allez participer seulement. Voilà. Mais oui, bien sûr, j'avais parlé. J'avais parlé. Oui, j'avais parlé. Oui. J'avais parlé, monsieur. Je parle toujours, je parle des deux parties. Même Francine Ngannou doit connaître qu'il est passé entre les mains de Fernand Lopez. J'ai toujours parlé. J'avais parlé de ça.
Et c'était différent. Pendant le cas Francis Ngann, tout le monde n'était pas d'accord avec Fernand Lopez parce que lui, c'est lui qui parlait plus. Et Francis Ngann ne le gérait pas. Ça veut dire que Francis Ngann a du respect pour Fernand Lopez. Mais quand tu regardes, Cédric Doumbé n'a pas le respect pour Fernand Lopez. Puisque c'est lui qui le taquine. Et il n'y a pas une vidéo. Si Cédric Doumbé fait 10 vidéos, il va parler de Fernand Lopez 9 fois. C'est pas normal. C'est quand même ton coach qui est passé par lui. Tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Même chez les Watts, même les Watts ne font pas ça. Lui, il exagère. Allez regarder. Il n'y a pas une interview où il ne parle pas, il ne cesse de parler de Fernand Lopez. Non, il mérite du respect quand même. Il t'a quand même coaché. Ne fais pas ça. Oui, ne fais pas ça. Et de sur quoi vous êtes loin? Vous n'êtes même pas au Cameroun. Vous devez vous aimer, vous devez vous protéger. Vous devez avoir les limites, en fait. Il doit avoir des limites. Il doit avoir des limites. Comment? Il exagère, en fait. Par la suite, qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il veut voir l'autre en prison? Ou bien il veut voir l'autre mort? Non, quand même. Quand vous voyez la sentence de le toucher, parce que quand vous voyez la publication de sa femme, Charlotte Dipanda, vous voyez que, vous sentez qu'elle a passé un message. Oui. Elle a parlé, ou bien c'est la haine à faire quoi? Voilà, venez, on donne de l'amour. Elle est en train de jouer ou bien c'est une forme de volleyball avec son mari. Tu sens que la déclaration de Cédric Lopez, de Cédric Doumbé, risque enfin de parler avec l'avenir, les intérêts. Hein? Les intérêts de d'autres Camerounais, prochainement. Bientôt, la CAI va arrêter de tendre sa main aux Camerounais. Regardez bien, Zepo n'est pas Camerounais. Regardez bien. Regardez bien, Zepo n'est pas Camerounais. Cyril Gane n'est pas Camerounais. Ça veut dire que bientôt, le grand va dire que, mais, pour voir, c'est comme si je n'ai pas la chance avec les Camerounais. Hein. Mais oui, peut-être, je n'ai pas la chance avec les Camerounais. Donc, dorénavant, je vous fais ça dur. Et c'est les autres qui ont perdu. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'il arrête. C'est clair. Il faut qu'il sache qu'il y a d'autres Camerounais qui veulent aussi venir entrer dans la salle là. Je connais des gens aujourd'hui qui ne traitent plus les Camerounais. À cause de ce genre de comportement là. Quand il faut dénoncer, ne dénonce pas. C'est vous qui dites qu'il est Camerounais. Il n'est pas Camerounais, c'est un Français. Le problème du Cameroun, tu as vu, c'est lui, Doumbé. Tous là même. Est-ce qu'ils parlent même? Tous là même. Ils sont même. Mais au moins, on voit au moins Francine Nganou est venu même construire ça là-bas. Mais oui. Il est venu même construire une salle. Ça veut dire qu'il s'intéresse au Cameroun. Maintenant, Cédric Doumbé, lui, son problème, c'est voir comment son frère entre dans la tombe. Non, il faut qu'il arrête ça quand même. Il faut qu'il arrête. Il ne faut pas qu'il exagère. Et achetez les produits. Voilà les produits pour maigrir. Trois boîtes. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Voilà. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Voilà. Lily Slim. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Voilà, tu vas voir qu'avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Ça bulle les graisses. Voilà, voilà le produit. Lily Slim, on a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Donc, voilà le produit. Pour les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Voilà, Awayalo, achète ça à ton gars. Tu es là, achète ça à ton gars. Vous voyez les femmes qui partent au marché 2 fois par jour. C'est les femmes qui ne on n'atteint pas l'orgasme, elles ne jugent pas bien. Une femme qui ne juge bien pas au marché chaque jour. Voilà, mon gars, il faut satisfaire ta femme. Il ne faut pas de lui mettre la main sur la tête ici, là, parce que même le grand fait, peut-être il pleure comme ça, là aussi, peut-être, parce que peut-être la femme, là aussi, est mort. Parce que parfois, là, les femmes aussi ont le gros cœur, mais une femme aussi n'a pas le gros cœur pour rien. Hein. Parfois, peut-être aussi, elle part parce que, vraiment, elle va atteindre le point G. Ah oui, elle va atteindre le point G. Donc, voilà le problème. L'éjaculation précoce. Quand tu souffres de cela, tu mets ta vie en danger. Mais oui, parce que quand tu n'as pas la chicotée avec quelqu'un d'autre, la suite, c'est ça. La suite, c'est ça. Ça va te pousser à l'erreur. Comme le grand frère Cédric Doumbé. Comme le grand frère Fernand Lopez. Il faut beaucoup faire attention. Mais oui, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Donc, voilà le produit. Voilà. Et à un certain âge, la seule manière de faire juste sa femme, c'est de mettre l'homme un peu sur elle. Sauf si tu descends en bas. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu descends en bas. Tu joues avec... voilà. Hein? Voilà. Tu descends en bas, non? Voilà, avec le chocolat. Oh, ça va te faire bien l'affaire. Donc, voilà le produit.
Super Love. Voilà, très facile à utiliser. Tu embasses seulement sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Donc voilà. Donc je vous demande de me contacter au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Super Love. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc et Cameroun. Voilà. Tu m'appelles, je te donne le numéro de mes partenaires. Voilà, si tu souffres, si tu as un problème de calvitie aussi, les chutes de cheveux, tu veux beaucoup de barbe. Voilà, si tu veux la barbe, tu as un problème de chute de cheveux, tu as un problème de calvitie là. Quand on dit calvitie, c'est pas le jab, c'est d'Alice. Hein. C'est le jab que ça fait déjà, les cheveux veulent disparaître là. Vous voyez un gars comme moi, 44 ans. Je n'ai plus. Regardez. Voilà. Donc voilà aussi le nouveau produit, le masque de visage. Tu mets ton visage, après tu enlèves, tu nettoies, tu vas voir. Il va te donner un beau visage. Il faut souvent nettoyer le visage. C'est très bien. Voilà. Voilà le produit pour les chutes de cheveux calvés, si tu veux la barbe. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Tu vois souvent un père devant la cour n'arrive pas à marcher. On dit que c'est un mauvais sort. Alors que c'est l'acide urique. Tu boites tout ça, tu as mal aux pieds, tu n'arrives pas à porter les chaussures. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Quand tu te lèves le matin, tu n'arrives pas à déposer les pieds au sol. Voilà, tu as la goutte, tu souffres de la goutte. Excès de protéines. Donc voilà. Donc vous m'appelez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Partagez le direct, taguez vos amis, partagez les lives. Voilà. Hein? Voilà, si tu as besoin, tu m'appelles pour la goutte. L'acide urique. Voilà, si tu es au Cameroun, tu vas faire le test. À l'hôpital général, c'est 7500. Tu payes le test. Voilà, c'est aussi bien pour la trousse, les mal des articulations. Voilà. Et l'acide urique, là, ça passe se cacher dans les articulations, ça te fait tellement mal. Et je préfère le sida que la goutte. La goutte est nuisible, ça te traumatise. Ça te traumatise, la goutte. Tu perds le nord. Tu crois qu'on t'a lancé un sort au village. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu souffres de la goutte. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, Non, il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ce sont les produits qui viennent dans le pays où je me trouve, Indonésie. L'Indonésie, voilà. Et d'ici peu, vous aurez aussi les masques. J'ai mon partenaire de Singapour là. C'est lui qui m'a donné ça. Donc je vais essayer. J'ai envoyé derrière une partie au Cameroun. Voilà. Moi aussi j'ai essayé, hein, c'est bien. Il y a aussi pour les femmes. Il y a aussi pour la femme. C'est les produits singapouriens. Voilà, c'est les produits, ça c'est pour la femme. Le masque de visage, pour la femme. C'est-à-dire que tu ouvres là, et tu mets sur ton visage. Voilà. Et ça, tu fais peut-être 30 minutes, 30 minutes avec, pas plus, 30 minutes. Et tu enlèves, tu vas voir, ça va t'embellir le visage. Voilà. Vous avez vu mon visage, non? J'ai mis ça. Regardez le visage d'un homme qui a 44 ans. Mais je suis beau, hein, dis donc. Le Cameroun rend les gens l'air. Là, comment je suis beau. J'ai compris pourquoi les filles comme les Sandrine Chamba signent derrière moi. Donc, elles ont vu au fond d'elles que non, Banga, c'est un beau garçon. Elles sont nombreuses là-bas. Oh, Sandy de Boston. Tu penses qu'il va laisser Sandy de Boston pour te poursuivre, pour poursuivre un faux profil. Non. Il veut une femme qui est forte. Qui va m'amener loin. Bien sûr, c'est Sandy de Boston. Ah oui. Bah, la manière qu'elle dit là que hein, la vie ou la mort, voilà, que le combat continue. Ouais, elle ouvre ses yeux, tu sens une femme que non, même la jouissance, les voisins vont se lever au lit. Il ouais, y a des femmes là que seulement en train d'insulter les gens sur Facebook. Au lit alors, faiblesse totale, 0 devant 11. Ouais. Elles n'ont aucune force, pardon. Sandy de Boston, quand je la vois, elle confirme que oui, là-bas il y a quelque chose. C'est non-stop, sans fatigue. En ce moment, tu prépares au moins deux paquets, deux boîtes de Super Magic. Voilà, Super Love. Parce que là, tu dois avoir affaire. Hein? Voilà. Non. Voilà. Seigneur. Ok. Le grand fait Fernand Lopez. Le grand fait Fernand Lopez. Je vais te donner mon conseil. Il faut que tu saches aussi que quand dans la vie,
on avait les petits frères. Il faut beaucoup être posé et les regarder beaucoup. Il y a les gens qui viennent vers toi parce qu'ils veulent profiter de l'instant T. Évite de montrer certaines choses à certaines personnes. Il y a des personnes qui viennent autour de toi, grand frère. Ils seront loyaux. Quand tu vois un gars comme Cyril Gane, il est loyal à Fernand Lopez. Ah oui, il est loyal à Fernand Lopez. Mais les autres, ils viennent former de passage. Et comme ils partent là, ça, comme ça ne suffit pas, ils viennent encore te laisser les bombes. Comme ce que Cédric Doumba a fait là. C'est une bombe qu'il a comme ça là, explosée. C'est pas bien. Il faut beaucoup faire attention, grand frère. Et il faut aussi bien regarder. Il faut aussi penser, comme je forme quelqu'un là, c'est pour qu'il devienne grand. Parce qu'il y a aussi les grands frères qui forment les gens. Pour qu'ils restent petits. Non. Sache que quand tu coaches quelqu'un, ça veut dire qu'il va devenir grand. Quand on coache quelqu'un et quand on décide de coacher les gens, ils vont devenir grands. Parce qu'un enfant qu'on éduque, qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Donc c'est un proverbe très élargi. Donc il faut aussi penser à ça. Il faut être sobre. Voilà, ce sont tes petits, ce sont tes poulains. Mais je pense que quand vous êtes divisé là comme ça, là, c'est un manque à gagner en fait. Je vois que tu penses que tu dois tout faire. Parce que le coach est comme un manager. Fernand Lopez. Le coach est comme un manager. Ça, c'est mon conseil de petit frère que je te donne. Le coach est comme un manager. Tu dois apprendre à accepter certaines personnes avec leurs défauts. Mais privilégier le combat. Le combat. Tu peux te coacher. Mais tu as une vision dans tes limites. Dans ton pré carré. Parce que tu es plus en France. Tu es en France. Mais tu es celui qui rêve loin. Comme Francine Ngannou. Francine Ngannou a rêvé aller loin. Peut-être que tu n'étais pas prêt à l'accompagner jusqu'à là-bas. Voilà là où il y a eu le déclic. Les problèmes ont commencé. Et ça nous arrive beaucoup dans la vie. On aide les petits frères, on coach. Après, ils décident, ils voient loin que toi. Soit tu l'accompagnes, vous marchez ensemble. Soit tu le laisses partir. Et pas de caprice. Quelqu'un m'a dit là que pourquoi le moment de Francine Ngannou. Non, nous tous on s'était adressé à Fernand Lopez. Pourquoi cette fois-ci on ne parle pas de Fernand Lopez? Parce qu'il ne parlait pas de lui. Il ne parlait plus. Il ne parlait pas de Cédric Doumbé. Mais le combat de Francine Ngannou et Cédric Gane et Cyril Gane, nous tous on connaît. Tous les sorties de Fernand Lopez, c'était en encontre. On a compris, il fallait déstabiliser Francine Ngannou. Quelque chose qui n'a pas marché, c'est le game. Mais les femmes, ceux qui regardent, qui n'ont pas la tête pour comprendre, ne comprennent pas que c'est le game. Que tu détestes l'enfant. Et par la suite, tout le monde l'avait interpellé. Jusqu'à si bien, il a répondu à Valcero. C'est du game. C'est un game. C'est un game. Mais il faut éviter que le game détruise la vie des gens. Parce que sachez que derrière, il y a des gens aussi qui comptent aussi sur Cédric Doumbé. Il y a des gens qui comptent sur Fernand Lopez pour sa salle. Donc, grand frère, pense que tu vas te maîtriser. Et pour le moment, là, n'abandonne pas parce que les Camerounais te déçoivent. Non, n'abandonne pas. Ce n'est pas un sort. Au contraire, tu as l'onction. Tu as cette grâce de faire des champions. Donc, n'abandonne pas. Parce qu'une ou deux personnes sont en désaccord avec toi. Après avoir atteint le sommet de leur art. Non. Ils sont passés par toi. C'est même ça où on connaît le grand homme. Le grand homme ne s'identifie pas parce qu'il a les immeubles, il a des voitures, il a un compte en banque full. Non. C'est d'avoir fait des gens qui ont les comptes bancaires, qui ont les immeubles, qui sont aujourd'hui les Francine Ngannou, les Cédric Doumbé. C'est ça qui fait de toi un grand frère. Si on les met là, les trois là, la personne que je vais enlever mon chapeau pour saluer d'abord, ce n'est pas Francine Ngannou. Ce n'est pas Cédric Doumbé. Ce n'est pas Cyril Gane. Non. C'est Lopez. C'est Fernand Lopez qui va enlever mon chapeau. Qui fait les champions est un champion. Mais oui. Qui fait les champions est un champion. Qui fait les champions est le père des champions.
accouché un champion. Et le père des champions. Oui. Oui, c'est clair. Donc, je profite pour m'adresser aux petites personnes qui vont croire que non, il n'a plus sa place. Non. Non, 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 non. Quand tu es passé par quelqu'un pour atteindre là où tu es là, tu lui dois à vie le respect. C'est clair. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu va être reconnaissant avec lui. Ce sera de gloire en gloire. Vous croyez que Charlotte Dipandala est épousée pour rien? C'est une superstar. C'est un grand coach. Il est connu mondialement. Mais oui, il est connu mondialement. Vous croyez que Charlotte Dipanda, depuis les années là, n'a jamais assumé, un homme. Elle assume Lopez. C'est parce que c'est un vrai homme. C'est un faiseur de champion. Un faiseur de champion est un champion. Parce qu'il faut avoir le secret des champions pour rendre les gens champions. C'est pas donné. C'est pas donné. Les autres viennent seulement profiter de ce que lui-là a fait. Et ce que je vais dire aussi, c'est qu'il doit être sobre. Il doit être sobre. Il faut qu'il comprenne que non, les petits sont capricieux, c'est tout. Ils sont dans la démarche que, ah d'abord, mais ils croyaient même quoi. C'est un peu comme les enfants adoptifs qui habitent à la maison. Les enfants adoptifs, ils habitent chez vous. Quand tu as les moyens, tout le monde vit bien, tout et tout. Mais, ils profitent des petites erreurs des enfants de la maison demain. Quand tu as peut-être chuté ou bien quand tu es mort, pour s'en prendre à tes enfants. Ils renient même le bien que tu les as fait. Ce que certains enfants adoptifs font. Tu vois quelqu'un, tu vois un enfant adoptif grandit, il devient quelqu'un et commence à détester ses frères qui l'ont adopté hier. Il oublie tout le bien que mon ami, tu dois à leurs parents, tu dois à son père, tu dois à sa mère. Malgré leur comportement, ils sont tes frères. C'est chez eux que tu as grandi, c'est chez eux que tu as eu tes diplômes, c'est chez eux que tu as eu la chance de devenir ce que tu es aujourd'hui. Si leur père ne t'avait pas tendu la main, c'est que tu n'es rien. Et pour cela, tu dois du respect à tes frères. Et pour cela, peut-être c'est à cause de ça que Dieu t'a fait grâce. Donc tu dois aussi les tendre la main parce que tes parents l'ont tendu là. Tes parents l'ont tendu la main. Si leurs parents t'ont tendu la main. Tu étais un cousin éloigné. On t'a pris pour venir travailler à la maison. Subitement, on te dit que va à l'école. Tu deviens un grand demain, tu t'en prends aux enfants de tes parents adoptifs. Tes frères, parce que ce sont tes frères. Quand tu grandis, les gens sont tes frères. Et c'est mauvais, c'est malsain. Connais que Dieu va te répondre, fais attention. Alors pourquoi il y a les gloires qui ne durent jamais? Il y a les gloires qui ne durent jamais parce que les gens grandissent, ils prennent les petits détails de la vie comme des rancunes, ils considèrent certains petits détails de la vie en rancune. Voilà, ils me parlaient mal. Souvent, ils disaient que je me couche au sol. Mais ils étaient chez eux, ils étaient les enfants, ils n'étaient pas matures. Et c'est ça qui a fait de ça, ce que tu deviens grand. Mais oui. Ne vois pas les petits détails des enfants. Regarde ce que tu es devenu et regarde ce que leurs parents ont fait pour toi. C'est tout. Donc ça veut dire que comme les parents sont déjà morts là, tu n'as rien à rembourser maintenant. Tu dois rembourser à leurs enfants. C'est clair. Mais moi, souvent, les gens disent que non, je suis parti voir mon oncle. Vraiment, il est déjà mort. Vraiment, tu... Non, non, non. Les enfants sont là. Ton oncle t'a aidé hier. Ton grand frère t'a aidé hier. Il est normal que tu pâches la veuve de ton frère. Tu sors sans rien laisser. Parce que sa femme te menaçait. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas un sorcier ou quoi? Faut arrêter ça. C'est de la haute sorcellerie. Donc, grand frère Fernand Lopez, il faut rester debout. Sache que tu es un faiseur de champion. Et un faiseur de champion est un champion. Rien à cirer. Ok, reste debout. C'est d'une Doumbé, arrête ta merde là. Tu es un merde. Ah. Tu es un Camerounais, tu dois protéger ton frère Camerounais parce que vous êtes loin. Bien beau, vous avez d'autres passeports, d'autres nationalités. Mais sachez que vous êtes loin. Voilà. Passez une bonne journée. I love you.